Salut tout le monde, bon bah ben, on est parti euh, pour une vidéo d'invoque. Euh, je vais les filmer au fur et à mesure, je pense, et je ferai un petit montage à la fin que je vous mettrai en ligne. Si j'en chope un j'arrête. Mais bon, la dernière fois on avait fait quasiment 150 ou 200 sans que je touche aucun ninja 5 étoiles. Euh, donc on va voir. Là je fais une fois 10 plus les 18 pièges. On va dire 28 invoques pour aujourd'hui et on verra ce qui se passe. Euh, si on peut choisir, bah, limite lui, je le trouve trop fort. Bien sûr, je le prends, hein. je le prends, je le monte évidemment, mais ça me paraît vraiment fort. Alors pour info, merci Webangel. Euh, ah, j'ai oublié son équipe là, la, une des meilleures teams FR, peut-être pas FR, mais je ne sais plus. Tu nous diras. Mais Webangel qui m'a envoyé une petite vidéo, il a eu la chance de la voir, donc bravo à lui. Et effectivement, il met l'attaque, il réfléchit dès qu'il tape. Et du coup, bah, Kun est très très fort. Très très bon héros. Qui permet en 5 tuiles de, de mettre de côté un héros en face hein, qui va se lancer des attaques irréfléchies. Donc lui il est très très bien. Elle aussi, hein, après. Voilà si je pouvais juste éviter de me taper un zircon ou un quartz qui servent un peu à rien. Mika, j'avoue que... Il peut être drôle, hein, il peut être sympa. Bah, Peut-être que je jouerai Mika si. Je suis pas sûr. Un autre cobalt non plus, tout ça je joue sans problème, Ruby je prends aussi. Après même les anciens, ils sont tous bien. Hein. Ruby, Ruby perrido avec plaisir ils sont top. Serendite est top, Grena c'est super. Lui, bon, il est incroyable. Jade c'est très bien aussi. Hein. Coco nous avait montré, ça joue super bien en attaque. Donc si je pouvais éviter Cobalt, éventuellement Mika et les deux clowns là. Quart saisir con. On ne veut pas les voir. Tous les autres sont, sont tous très très forts en attaque moi là pour où j'en suis je cherche juste des, des héros d'attaque j'ai vu le tournoi dans la vidéo de Badia de tout à l'heure mais d'hier du coup <coughs> euh, on veut des héros qui déclenchent très rapidement on est obligé si on veut une chance de gagner là hein. bon alors euh, 88 il faudra que je pense quand je suis à 12 de vider le portail pour pas gâcher c'est parti mais moi j'ai aucun espoir oh là là j'entame fort direct le HOTM pas bah lui qu'on aurait voulu, mais bon. Une invoque à un TM Hop, voilà comment ça se passe sur le mois de juin. Très facile à choper, dis donc. Ouais, plus j'y pense, moins je pense que je le montrerai. Hein. C'est dommage, j'avais gardé des anneaux, j'étais chaud, mais là, j'ai les emblèmes en plus. J'ai peur que ça fasse vraiment comme mes récents là, je sais pas quoi, je vais, je vais pas l'utiliser. Bon, bon, on crame la chance la direct. J'avoue que sur les ninjas j'espère pas grand chose. Hein. Mais est-ce que j'arrête tout de suite parce que là... Oh, là et le jeu m'amuse. Je crois que je vais faire celle-là et puis ça va être tout, quoi, parce que là, c'est juste pas possible. Oh là là, ça amuse, mais ça amuse. J'ai fait trois invoques, j'ai déjà deux, cinq étoiles. Oh, on veut pas les voir, quoi. Incroyable, ce début, là. 1,2%, ouais, 1,2, 1,3, en fait. Hein. Il y a autant de chances de les avoir, eux, que les ninjas. Bon, allez, continuons. Keleni, Magnifique. Peut-être qu'ils ont banni mon compte des ninjas. Ils ont fait en sorte que mon compte puisse pas avoir de, de ninjas aux invoques. M'en fous, j'aurai Topaz à la fin. De toute manière, quoi qu'il se passe, ça va se finir avec un ninja chez moi. Euh, J'ai regardé là entre temps, je regardais les GDA pour aller voir de Rao. Là, c'est un joueur coréen de la Team Korea. Il est très très fort, hein, il joue très très bien. Allez voir, il joue des Topaz, des Topaz, euh, même s'il y a pas de sbire en face. Hein, et il fait des trous, il les joue trois jaunes ou deux jaunes très forts. Et Topaz avec la fois une lui permet de gagner des raids. Si vous prenez le temps de manipuler le puzzle, de calculer tout, Topaz, elle sera excellente. A noter, il joue aussi Ursena. J'avais pas pensé, hein. Il joue le renvoi du jaune face à des Jove et des Han. Bien pensé. C'est vrai que j'aurais pas. J'avais pas pensé que dans mon deck. Peut bon, il a le costume, lui, d'Ursena. Ok, nous voilà très bien parti. Ah, une petite dernière, parce qu'on s'est tapé à le cannon, bien sûr. J'en viens pas de ce loser Del canon qui sort là. On est parti pour le caca. Euh, Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller prendre Bera aussi Prendre Bera, tiens. J'ai rien, je me consolerai peut-être avec Berra, princesse du désir. Hop. Allez, on continue. On continue la boucherie. En plus, pour chaînes, je suis prêt, j'ai pas besoin de plus là. Ce sera toujours utile un jour, hein, c'est sûr. Mais bon. Voilà quoi. Notez ah, es que ce portail n'est pas cher en gemme. Par contre, il n'y a pas de coffre. Mais vu ce qu'il y a dans les coffres, euh, à moins que vous ayez besoin de matériaux, 4 étoiles vraiment, et peut-être qu'un coffre peut vous donner le bon. Sinon ce portail n'est pas cher. Mais le taux, euh, taux d'avoir quelque chose est dégueu. Mais bon, si vous n'avez pas euh, peut-être les 4 étoiles qui peuvent être intéressantes dans, dans certains decks. Même moi, Maîtrine, je joue encore. Oui Oh c'est la fête Trop cool! Yes! Enfin un autre ninja. Bah, je crois qu'on va arrêter là. Oh, ce tirage en 17 invoques! Du coup, ça change tout, parce qu'en 17 invoques, je vous sors un ninja, le HOTM et un héros saison 1. J'ai pété les stats sur la dernière. Bah, je sais pas ce qu'elle fait, elle, on va aller voir, mais quoi qu'il se passe, je la monte. Quand je la monte, je la break, je la joue. Point barre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ouais super, c'est un soin boosté en... en 4 tuiles en plus, je peux l'avoir en 4 tuiles, c'est juste trop bien. C'est parfait pour moi, un héros que je vais jouer tout seul je pense. Boost la santé de tous les alliés de 370, je peux dépasser le maximum de PV et génération de mana, oh elle est parfaite, parfaite pour ma façon de jouer, impeccable. Cool, ça se fait plaisir. Tous les alliés reçoivent 33% de génération de mana pour 2 tours. Et plus, c'est impeccable, je vais la jouer toute seule c'est sûr. Si j'ai mes 4 verts, tout d'un coup, euh, boum, j'ai un soin, j'ai la défense. Et tout le monde a 33 de génération de mana. Ça veut dire qu'à côté, mais peut-être on pourra aller chercher des rapides en 6 tuiles, là, clairement. Super, je vais pouvoir faire une équipe avec euh, 2-3 rapides ou 2 rapides un ninja d'une même couleur. L. Du coup, euh, soit j'ai mes 7 tuiles, j'ai mes 2 rapides mon ninja, je fais un trou. Soit j'ai L, et dans ce cas tout le monde passe en 6 à côté. Et ils sont protégés, trop trop bien. Wow, elle a l'air super forte. Bon, j'irai pas chercher le double break, c'est sûr. Hein. Surtout si je l'ajoute tout seul, mais le un break. Les emblèmes druides, par contre, on n'est pas bien. Peut-être pour ça qu'ils me l'ont donné d'ailleurs. Mais Alors là, rien à secouer. Hein. Il y a quelqu'un qui va lâcher ses emblèmes. Peut-être Xiaotu. Qu maintenant que je vois de moins en moins de sbires, elle les reprendra plus tard. C'est où qu'on voit les emblèmes dans ce cirque? Trop cool! Bah, fin des invoques. Je peux peut-être faire une fois 10 pour la blague, mais euh, je rachèterai pas d'offres. Yes! Ah, ça fait plaisir de l'avoir dès le début, surtout là, dès les premières euh, pièces là. Emblème. Android. Oh, là, on n'est pas bien Android. On a à Et Je regarde et je refais une fois 10 quand même. Qui c'est qui va lâcher ses emblèmes là Ah tout je l'utilise quand même. Hein. Ce serait dommage de la... de devoir la déshabiller. Bon, Gazelle, clairement, je la garde. Elle est druide hein, dans sa version de base, il me semble. Sergueil aussi, Anna aussi. J'ai que des très bons héros Mais hein. Mélandor et Caedmon, bien sûr, je les garde. Ah. ah, je sais pas, je sais pas qui va passer à l'attrape. Hein. Oh, bah c'est elle. Ah bah mes récentes, là, ça c'était une de mes erreurs, hein. monter Meresenc, je pense. Euh, ouais, elle va tout lâcher. Elle est pas si mal, hein. Elle est pas si mal. Mais avec ce que j'ai dans mon deck maintenant. Je l'ai essayé là, elle n'a pas sa place, nulle part. Hein. Elle fait pas assez de dégâts, elle n'enlève pas assez de mana. Donc, euh, bien sûr, je la garde, je ne vais pas la mettre à la poubelle. Si un jour il la modifie, je la rejouerai. Si un jour, peut-être, j'ai besoin. Mais là, elle va rendre les emblèmes, clairement. Impeccable. Bon bah, nickel. Ah bah, je suis content. Eh bah, ah bah, échange d'âme dans la foulée. Hein. On va faire de la place. Ah, et puis, on va refaire une petite x10. Allez, je fais la x10 d'abord, des fois qu'il y aurait topaz. Je peux garder ma x10 pour les costumes. Non mais non, désolé les amis, je vais pas faire la x10. Je vais la garder clairement pour les costumes. On a envie d'être gourmand hein, quand ça vient de tomber comme ça là. Ouais, allez, tant pis, soyons fous. C'est bien un... pour me faire plaisir et vous faire plaisir on va dire. Ah la x10 inutile. Tous les 4 étoiles qui tombent, ça pourrait être une lixio potentielle que je viens de mettre à la poubelle. Alors on fera de toute manière des invoques aux costumes je pense là. Et s'il y a Mélandor, sûrement. Je pense que s'il y a Mélandor, euh, costume et que je le chope, je double break le Mélandor version 1 en magicien, là. Il sera très résistant avec les trois costumes et double break et ça me fera un magicien vert qui dissipe. Bon, là, un beau craquage pour rien, ça. <laughs> c'est pas une surprise, on le savait. <laughs> Allez, c'est bon, n'importe quoi. Bon, cool, cool, cool. Et puis, euh, bah, je vous fais mon, mon petit selection, je du coup. Alors, qui est-ce qu'on va lâcher Ah, bah déjà, Elkanen, il va repartir comme il est venu. Regardez-moi en vert ces merdouilles que j'ai chopées là. 3, 4. Allez, vous, merci d'être passé. Ah, toi, ma grande, par contre. Ok. 5, 6. 7, y en a 8, 9, 10, c'est ouf comment le jeu me régale quand même en ce moment. 11, je montrerai jamais de Loki. 12, okay, j'en ai en plus en costume. 13, rentre chez toi. 14, euh, Kagan j'ai trois costumes, ouais j'en ai deux. 15. Oh là là. 16, Elena. 17, Car. 18. En vrai, Kagan, 3 costumes, je pense que jamais de la vie je le monte. Le HOTM non plus, là. Si j'en monte une, c'est Elisabeth, costume 2, en rouge, clairement. Béra, je veux la garder, on sait jamais. Fait Morgane. 19. Du coup, on va en mettre Kagan. Oh non, plutôt Turgruk. Je, je... je vais pas garder deux Turgruk. fait, je peux la garder, on sait jamais. Et Susanna, franchement. Elle est nulle, elle, mais bon. Est-ce que j'en garde un exemplaire Lui, j'en garde un exemplaire, il peut être drôle. Elle, je crois pas, un instant. mère, il change jamais les. Bon, Kagan, c'est un héros que je peux rechoper facilement. Oh non, ouais, j'hésite, j'hésite. J'hésite, c'est lui que je vais passer à la poubelle pour l'instant. Lui, je vais en rechoper d'autres, donc on va tout de suite le mettre à la poubelle en fait. Benou, on va garder aussi. Mmh. Mais hop, 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 hop. Bon, je vous avais pas vu, vous deux là. Izarnia costume. bah Toi, par contre, ma chérie. Hop. Toi okay, ou Kagan c'est la même Ah, hein. oh, je les avais oubliés ceux-là. Hein. Ouais voilà, bah là je pense qu'on est bon. Allez c'est parti. Donnez-moi Topaz, là qu'on n'en parle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On peut garder une Susanna si on veut. J'ai posé Idon pour la ruée que j'avais oubliée. mais comme on ne voit plus d'Alfric. Un bon moyen de voir combien il m'en reste derrière. 1, 2, 3, 4, 5, éventuellement 6 avec Elisabeth, 7 avec lui. Allez, voilà, il n'y a pas à réfléchir. Hein. En plus, je vais jouer du coup 3 jaunes et la verte toute seule et j'aurai une équipe avec deux ninjas dans la même équipe. Ou alors je vous la verte avec mon trio bleu ça marchera bien aussi. Vous recevrez Topaz en échange de tous ces losers. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, deux ninjas dans la même journée là. Incroyable. Trop trop bien. Bah le jeu me régale en ce moment, c'est un truc de fou. Hein. Vous avez vu les, les héros là hein partout les, les saisons 1 qui tombent dans tous les sens là il me file un ninja en 17 invoques moi bon, je dis arrêtez de jouer hein. arrêtez de jouer et, et remettez-vous-y deux semaines après bon bah cool bah, écoutez je vais monter tout ça puis euh, bon, on fera une petite vidéo sur la sur elle hein. mais c'est extrêmement fort elle a l'air très très bien hein. en attaque en tout cas là vraiment très très bien les trois sont bien du Allez, bon bah je suis très content. J'espère que vous aurez autant de bol que moi. Et puis euh, bah je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut tout le monde.